sens qu'à l'emplacement, il va se chauffer en Argentine. Hein. Vous en avez vu. Monsieur le Président, ingénieur de notre ben donc, pouvons commencer. Oui, je cher Luis. Cher Nico. On est une association, mais en fait, c'est un projet commun qui a été fondé et réalisé par quatre fédérations nationales, l'Amitié Portugal-Luxembourg, CCPL, Confédération de la Communauté Portugaise au Luxembourg, Fédération des Associations Capverdiennes au Luxembourg, la FAEL, qui est la Fédération des Associations d'Espagnols au Luxembourg, qui ont donc fondé ce projet dans lequel je travaille, qui s'appelle Maison des Associations. Et le but, ben, voilà, c'est d'essayer de développer les liens, donc vraiment de développer les liens entre les associations et de couper, de détruire ces murs qui existent, parce que bon, justement, je pense qu'on vit ensemble dans ce pays. Luxembourg a 44% avant les nouveaux chiffres du recensement national, 44% d'étrangers. Et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble avec son voisin, connaître son voisin, développer des projets ensemble. It's the traditional Polish dish. So daqui de lá, da Espanha, de Portugal e de Luxemburgo. From Eschewanzette. De France, de Petit Nicolas. From Rwanda. Autriche. Iran. I'm from Italy. No. Nous avons le Clubhouse Kiosque, qui est en fait comme une maison de loisirs pour des seniors. Here I am in Chifflange, nearby Luxembourg. Like always, 15 minutes from somewhere in a senior club. Actually, quite animated atmosphere. She's the youngest volunteer of our club. She's also a volunteer here at the Clubhouse beim Kiosk. And every week she proposes other handcrafts to do. Vi o contacto entre as várias gerações, o interesse e, como tal, os sorrisos, os abraços, o convívio, o relacionar-se um com o outro. Sem dúvida temos muito a aprender com estes exemplos e eu já decidi, é aqui que eu vou querer envelhecer. Je trouve que c'est intéressant de faire une expérience interculturelle, l'intergénérationnelle. El concepto voluntario aquí cambia un poco, porque el voluntario tal y como lo entendemos en España, por ejemplo, y creo que en Portugal, es el benévolo aquí, o sea, la persona que presta su tiempo, su energía y sus ganas en hacer una actividad o echar una mano a alguien que está haciendo su actividad gratuitamente, sin exigencia, sin horario. Las personas envían los textos. Os textos devem ser todos traduzidos em francês, que é a língua comum. Estamos a preparar o PowerPoint, que depois é projetado durante o sarau. Definição de amor. Atenção. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Se proverai a vivre de amor, t'accorgerai que sur cette terre... Le troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval de caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Plus loin encore, il y a... Pensaba en la época equivocada había nacido. Que ya no existían más almas románticas. L'amour, c'est comme mon chien me lèche le visage, même quand je l'ai laissé toute la journée tout seul. Et une dernière, Jessica, 8 ans. On ne doit pas dire je t'aime si cela n'est pas vrai. Mais si cela est vrai, on devrait le dire beaucoup plus souvent. Les gens oublient. Tem dentro bem retratado o sentimento do amor. J'ai eu la chance de pouvoir faire plus de travaux aussi un peu scientifiques sur la question du bénévolat. Et si on regarde l'histoire, mais tout le domaine social, culturel et même sportif est né du bénévolat. Mais il faut se battre. Il faut se battre par rapport à des fonctionnaires, des institutions. Il faut se battre par rapport à la politique qui ne voit pas toujours le sens des choses. Mais c'est quelque chose que moi j'aime faire.
Sandra Santos, repórter voluntária por Portugal para a Europa. La question était donc combien de volontaires travaillent chez nous? 10 volontaires qui travaillent avec nous. Donc il y a toujours un échange très riche entre les volontaires européens et les bénévoles actifs sur le terrain luxembourgeois. Voilà. C'est tout.